Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour votre soutien. Je ne m'attendais vraiment pas à vous voir aussi nombreux sur cette chaîne secondaire, surtout en aussi peu de temps. Merci du fond du cœur pour tous vos messages de soutien. Et désolé si je ne trouve pas les mots justes pour vous remercier comme il se doit. Mais sachez que ça me touche vraiment beaucoup. Les autres membres de JC2R, même s'ils ne participent pas directement aux vidéos, sont eux aussi très touchés par ce soutien, car ils sont aussi concernés par cette censure. En tout cas, si la chaîne principale saute, c'est pas très grave, parce que vous au moins vous êtes là, et c'est ça le plus important. Sinon, pour ceux qui se seraient abonnés un peu par hasard sur cette chaîne, sachez que ma chaîne principale JC2R officielle a été censurée. Je n'ai plus le droit de poster de vidéos pendant deux semaines. J'ai reçu deux avertissements, ou strikes, en à peine trois semaines pour incitation à la haine, soi-disant. Ils ont supprimé les deux vidéos incriminées sans explication. À quel moment précis j'incite à la haine dans ces vidéos, je ne le saurai jamais. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au bout de trois avertissements, ils supprimeront purement et simplement la chaîne. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne de secours, pour continuer à faire des vidéos durant ces deux semaines, mais surtout pour garder un contact avec vous si jamais la chaîne principale est supprimée. En tout cas, ils ont vraiment tout prévu, car euh, du coup, je ne peux pas prévenir les abonnés de la chaîne principale. Et si elle est supprimée, les trois quarts des gens qui me suivent ne sauront pas pourquoi. Ils ne sauront pas qu'une chaîne secondaire existe, s'ils n'ont pas lu mon message dans l'onglet communauté ou sur Facebook. On cherche visiblement à me faire taire en toute discrétion. Bon, euh, je ne m'étendrai pas plus sur cette liberté d'expression qui n'existe pratiquement plus en France. Je crois que là, ça devient évident. Sachez en tout cas que je ne suis pas du genre à me laisser faire, et que je continuerai à dénoncer ces élites sataniques, quoi qu'il arrive. Ils me motivent même à agir dans le réel pour créer une contre-société. Voilà, euh, je pense que tout est dit sur cette censure qui touche ma chaîne. Il est temps maintenant de passer au sujet de